Salut les filles, c'est Emily. Je vous reviens pour une vidéo en français cette fois-ci. J'ai décidé de faire le Lip Addict Tag. Donc, je vais vous parler de tous mes produits préférés pour les lèvres et ceux que j'ai pas aimés. Commençons. La première question, c'est par rapport à mes baumes à lèvres préférés. J'en ai deux à vous parler. Donc, le premier, c'est le Nuxe Rêve de Miel. Si vous en avez pas entendu parler, vous en avez besoin. C'est tellement un bon produit. La consistance est plutôt épaisse. Et ce qui est vraiment différent de tous les autres baumes à lèvres, c'est le fait que ça donne un effet mat sur les lèvres. C'est tellement bizarre, mais j'adore l'odeur, que ça sent le miel. J'adore le porter, surtout la nuit, parce que j'ai l'impression que je me réveille, puis c'est encore sur mes lèvres, donc j'ai vraiment l'impression que ça protège mes lèvres, en plus de les hydrater. Donc celui-là, c'est mon deuxième. Pour le suivant, c'est le First Aid Beauty Lip Therapy. Donc c'est le soin pour les lèvres ultra réparateur. C'est tellement un bon produit. J'en ai trois un peu partout dans la maison. Je l'adore. J'ai l'impression que ça donne vraiment un effet de lèvres pulpées. Je me rappelle les premières fois que je l'avais utilisé, j'avais les lèvres tellement sèches à cause de l'hiver. Tu sais, quand t'as les lèvres, ça a l'air d'un petit raisin sec, c'est tout, tout fripé. Puis je me suis réveillée le lendemain matin, puis c'était tellement comme repulpé, puis tellement hydraté. Donc, je le recommande fortement. Celui-là, il sent pas super bon. J'ai l'impression que c'est plus comme un peu à la menthe, un peu médicament. Mais j'ai aucun problème à le porter. J'adore le porter surtout durant la journée, juste parce que ça me donne l'effet un peu gloss. Donc j'adore celui-là aussi. Donc si vous n'avez pas essayé un des deux, je vous le recommande fortement. Je sais que c'est pas nécessairement facilement accessible partout, mais je pense que Feel Unique en ligne a les deux. Puis ils sont capables de livrer internationalement. Donc deuxième question, c'est le meilleur rouge à lèvres rouge. Donc je le porte présentement. Je suis sûre que vous vous posez déjà la question. Emily, c'est quoi que tu portes présentement? Parce que j'en ai besoin. Effectivement, t'en as besoin. C'est le rouge à lèvres de Sephora. En français, ils sont appelés les rouges voluptés sans transfert. Et c'est vrai, il n'y a aucun transfert. Comme vous pouvez voir, aucun transfert. Ça résiste à l'eau, ça résiste à la nourriture aussi. En général, ça résiste sur moi à peu près 12 heures. Donc je peux manger deux fois avant que j'aie besoin de, d'en remettre un petit peu à l'intérieur des lèvres. C'est généralement... Après 12 heures en général, il est juste temps pour moi d'aller me coucher et d'enlever le rouge à lèvres, donc c'est vraiment pas un problème. J'adore aussi l'odeur, ça sent le dessert. C'est super facile à appliquer, j'adore beaucoup la consistance. Je trouve que c'est pas trop liquide, c'est pas trop épais, c'est comme un petit peu une mousse. Ça donne un effet super mat sur les lèvres. Mon seul problème avec ces produits-là, c'est le fait que la gamme de couleurs est pas assez large à mon goût. Ils viennent d'en rajouter comme 10, mais dans ma tête, ils en ont besoin de comme 100 autres. Donc si vous n'avez pas essayé, je sais qu'ils sont pas nécessairement faciles à trouver partout, mais la couleur 01, Always Red, est plutôt facile à trouver et c'est vraiment ma couleur préférée pour un rouge. Si vous ne savez pas quel rouge va vous faire bien, celui-là, il fait à tout le monde. La prochaine question, c'est par rapport à mes rouges à lèvres de luxe préférés et ceux de la pharmacie. Luxe, c'est pas vraiment... J'en ai pas ceux de Chanel ou de Tom Ford ou quelque chose comme ça. Donc ceux que je veux mentionner, c'est ceux de NARS, les NARS Audacious Lipstick. Ils sont tellement bons. Ils font sur les lèvres super crémeux. Ils sont tellement pigmentés. Vraiment, tu as juste besoin d'utiliser une fois, puis la couleur est là. Puis ce que j'aime le plus, c'est qu'ils sont crémeux. En général, j'aime mieux les, les finis mat, mais ils finissent quand un petit peu... satiné, je trouve qu'il n'y a pas énormément de transfert à la fin de la journée. Au début, oui, évidemment. La couleur résiste un bon 8 heures. J'avais fait une vidéo les comparant au prochain rouge dont je vais vous parler, mais vraiment, là, 8 heures confortable, puis la couleur est encore sur vos lèvres. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. Ils ne sont pas donnés, je pense qu'ils sont à 38 $ canadiens, mais j'en ai quelques-uns, puis je trouve qu'ils sont. Qui valent la peine. Les prochaines dont je vais vous parler, c'est ceux de Maybelline, c'est les Creamy Matte Lipstick. Je sais qu'ils commencent à être accessibles un peu plus partout. Au Canada, présentement, ils viennent de sortir les 8 dernières couleurs. Ils sont en édition limitée, donc si vous les voyez, je vous les recommande fortement. En tout, aux États-Unis, je sais qu'il y a 20 couleurs différentes. Je les adore. Encore une fois, la formulation de ceux-là est incroyable. Ils vont sur les lèvres de manière super crémeuse. Éventuellement, il y a moins de transfert, ils sont plus mat. Ils sont super confortables sur les lèvres. Je trouve qu'ils se comparent presque bien aux NARS Audacious. Juste parce qu'ils résistent pas mal aussi bien. Après 5, 6 heures, 8 heures, j'ai besoin de réappliquer juste parce que je trouve que c'est un peu plus asséchant. Mais à part ça, pour un rouge à lèvres de la pharmacie, je trouve ça incroyable. C'est probablement celui de mes préférés de la pharmacie, donc fortement recommandé. En plus, les couleurs qu'ils offrent, c'est juste incroyable. La qualité de ceux-là, c'est comme un rouge à lèvres de chez MAC. Là. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Mon seul problème avec eux, c'est l'odeur, mais c'est l'odeur habituelle des rouges à lèvres de Maybelline, donc il n'y a pas grand-chose à faire, mais
Honnêtement, pour la couleur, ça ne me dérange pas. La prochaine question, c'est par rapport à mon rouge à lèvres favori de chez MAC. Donc, si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez que il y a une petite place spéciale pour MAC dans mon cœur, surtout le rouge à lèvres. Donc, j'en ai deux à mentionner. Techniquement, j'en ai juste un, mais l'autre est super proche, donc je vais vous le montrer aussi. C'est la couleur faux, qui est un satin. Je pense même pas que j'ai besoin de dire quelque chose, c'est juste le parfait couleur nude, mais un petit peu plus foncé, puis un petit peu plus mauve. Je trouve ça tellement beau sur les lèvres. Ça, c'est pour moi le Kylie Jenner Lipstick. C'est pas trop brun sur mon teint, c'est vraiment fantastique. Il y en a un que je vais vous montrer aussi, c'est la couleur Brave, parce qu'ils sont super proches l'une de l'autre. Celui-là, je vais pas swatcher, je vais essayer de trouver le mien, je pense qu'il est dans mon sac à main. Mais celui-là, c'est pour un cadeau, donc je vais pas swatcher, je vais juste vous montrer. Vous pouvez voir la différence. Donc ça, c'est Brave, ça, c'est faux. Ils sont super similaires, mais en même temps, faux, c'est un peu plus mauve. Celui-là est un peu plus nude. Les deux, dans tous les cas, fortement recommandés. Si vous avez essayé de porter Velvet Teddy, puis c'était trop brun sur votre teint, Brave, c'est la couleur qu'il vous faut. Honnêtement, je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Velvet Teddy, je touche quasiment plus parce que j'ai celui-là. Faux et Brave, c'est probablement les deux couleurs que je recommande le plus de chez MAC. Surtout si vous êtes à peu près mon teint ou un peu plus foncé, puis vous voulez quelque chose qui est plutôt neutre pour tous les jours. C'est ma couleur. Ensuite, les produits dont j'ai été le plus désappointée. Wow! What happens when you try to speak French? Désappointée. Donc les produits qui m'ont déçu le plus, il y en a plusieurs en fait. Il y a les lip butter de Revlon que tout le monde, mais tout le monde en parlait tellement il y a quelques années sur YouTube. Donc j'en avais acheté plusieurs et gros regret, ils n'ont pas fonctionné pour moi du tout. Spécialement la couleur crème brûlée que tout le monde parlait. Sur moi, c'était tellement brun, puis il y avait les morceaux de brillant or dedans. C'était tellement comme... Oh, sur mes lèvres, c'était tellement pas beau. Donc, j'en ai fini quelques-uns en les utilisant comme baume à lèvres, juste parce que je suis tellement têtue que je voulais tellement les essayer. Puis les autres, il y en a plusieurs que je me suis débarrassée. Il y en a une ou deux couleurs qui étaient correctes pour moi, mais la plupart, j'étais juste pas capable de les aimer. J'ai essayé récemment les Hourglass, qui ont des rouges à lèvres liquides. J'avais essayé le mini format, je vais essayer de le trouver parce qu'il est vraiment, vraiment minuscule, mais il m'a coûté quand même comme 12$ canadiens, c'était vraiment ridicule. Je me suis attendue à vraiment aimer la formulation et pas du tout. Ça n'a jamais arrêté d'être comme un peu... C'était jamais mort finalement. Je faisais juste... pressing. Je faisais juste pressing my lips. Je faisais juste mettre mes lèvres l'une contre l'autre. Puis il y avait beaucoup de transferts. C'était vraiment pas beau sur les lèvres. C'était vraiment pas un beau fini mat. C'était vraiment là... Je cherche mes mots, mais vous savez ce que je veux parler. Là. C'est vraiment juste, t'as quasiment l'impression que c'est un gloss, tu sais, qui, quand tu ouvres la bouche, c'est un petit peu dégoûtant. C'était l'effet que ça me donnait, donc j'ai vraiment pas aimé ça. J'en oublie un. J'en ai oublié un présentement, ça m'est complètement sorti de la tête, donc je vais l'écrire à quelque part sur l'écran. Je sais que je l'ai dit dans ma version anglaise de la vidéo, puis là, je me rappelle pas du tout, donc... complètement sorti de la tête. Ok, prochaine question. Comment t'appelles ça en anglais, en français? Crayon contour des lèvres. Ça sonne tellement beau en français. La prochaine question, c'est les crayons contournent les lèvres, oui ou non? C'est un oui pour moi. J'en porte pas nécessairement toujours, même si j'en ai une quantité ridicule. Mais je trouve que des fois, ça fait juste ajuster la couleur juste ce qu'il faut. Je sais que la couleur de MAC Flat Out Fabulous, qui est une belle couleur, qui est un peu magenta, il y a un petit peu de mauve dedans, mais j'utilise le contour, le crayon de chez MAC aussi, qui est la couleur magenta. Mais pour vraiment magenta, je trouve qu'elle est un peu plus mauve. Puis ensemble, toutes les deux, ça donne tellement la couleur qui est idéale. Donc, oui, je les recommande fortement. Quelques autres compagnies qui en font des très bons, qui sont pas chers, seraient Milani, NYX, NYX. Ils en font des excellents. Donc, il y a aussi Jordana. Donc, c'est pas, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour un bon crayon contour des lèvres. Les meilleurs gloss, mes favoris de chez Sephora sont ceux de Buxom. Je les recommande fortement. Je les trouve tellement confortables sur les lèvres. Ils sont pas trop collants. J'ai pas l'impression que mes cheveux vont tout le temps être poignés dedans. Des fois un petit peu, là, soyons honnêtes, c'est un gloss pareil. Mon seul problème avec eux, c'est le fait que, ben, premièrement, le prix. Je trouve que je suis pas une fille qui porte énormément de gloss. Je suis quand même un petit peu... J'essaie. Mais le seul problème que j'ai avec ceux-là, c'est si vous vivez quelque part où il fait froid, faites attention. Je me rappelle une fois spécifiquement, j'étais sortie dehors, puis c'était l'hiver, là, moins 30, avec ça sur les lèvres. Ouh, j'avais l'impression que mes lèvres allaient tomber. C'était vraiment ridicule. Donc, je les recommande. Faites juste attention de ne pas mettre ça dehors quand il fait très froid, parce que c'est quasiment dangereux. Mais en même temps, ça vous donne des lèvres tellement pulpeuses, vraiment, là, fantastique. De la pharmacie, je recommande énormément ceux de NYX, les Butter Gloss. Oh, ils sont tellement bons. Ils sentent sucrés.
Ils donnent vraiment un bel effet glossy sans être trop collants, sont pas trop épais. Il y a quand même une bonne pigmentation. Vous pouvez les utiliser tout seuls, ils sont excellents. Mais j'aime souvent les matcher avec d'autres rouges à lèvres, mais honnêtement, là, c'est les meilleurs que j'ai essayé de la pharmacie. La dernière question, c'est parle de quelque chose d'autre. Donc, j'ai plusieurs petites choses dont je veux parler. Quand même. Premièrement, je veux parler des rouges à lèvres liquides de Kat Von D. Ils ont tellement des belles couleurs. J'ai fait un vidéo swatch de ceux-là, donc je vais l'inclure en bas. Même chose pour tous ceux que j'ai fait, mais les couleurs, c'est juste malade. Oh, ils ont tellement des belles couleurs. C'est la même formulation que les ceux de Sephora, donc je les adore ceux-là, mais ceux-là sont tellement abordables, donc affordables. Ouh! C'était pas loin. Abordable. Mais ceux-là, c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'ils ont des meilleures couleurs. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver plus de couleurs de ceux de Sephora, Kat Von D, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc, j'adore ceux-là aussi. Ils sont vraiment... Ils sont juste mentaux. Je voulais aussi parler, j'ai réessayé récemment juste ces rouges à lèvres réguliers. Mon Dieu, le packaging. C'est tellement beau. Mais j'en avais essayé quelques-uns dans le passé. Puis, je trouvais qu'ils étaient un peu plus... mat que ce que j'aime, pourtant j'aime ça quand c'est vraiment mat, mais ceux-là sont beaucoup plus crémeux quand ils vont sur les lèvres, je les trouve pas aussi asséchants, puis les couleurs sont tellement belles. Celle-là c'est la couleur Lolita. Si en passant vous avez essayé la couleur dans le liquid lipstick, vous allez voir que celui-là il est beaucoup plus rouge, donc c'est tellement plus facile à porter. Celui-là durant l'hiver quand je suis vraiment à mon plus pâle, c'est trop brun sur moi. Mais quand je suis durant l'été un petit bronzage, il est plus rouge comme celui-là, mais celui-là il me va à l'année longue, donc je recommande énormément celui-là. Une autre couleur que j'avais essayé, c'était la couleur Cathedral, qui est un peu plus foncée, un peu plus mauve, mais mon Dieu, regardez-moi ça, c'est tellement beau. Kat Von D, je trouve qu'ils ont vraiment des produits excellents pour les lèvres. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est quelque chose, c'est une compagnie en fait qui est canadienne, puis on n'en entend pas beaucoup parler, puis c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'ils ont des vraiment bons produits pour les lèvres, et je parle de Bite Beauty. Mes préférés, c'est ceux-là. C'est les rouges à lèvres qui sont des deux côtés du... Je sais pas comment appeler ça, dual-ended, dans le fond, qui a un rouge à lèvres des deux côtés. Regardez-moi ça, les couleurs sont tellement belles. Sont mangeables. Je sais. Le nombre de rouges à lèvres qu'on mange durant notre vie, donc au moins qu'ils soient officiellement mangeables, c'est peut-être une bonne chose. Ils sentent un petit peu les fruits, mais un petit peu vraiment naturels, fruits. C'est pas mauvais. Les couleurs sont fantastiques. La formulation, ça me rappelle énormément ceux de NARS dont je vous ai parlé. Donc honnêtement, ils sont vraiment très très bons. Je recommande énormément ceux-là qui sont comme ça parce que vous avez plus de produits, de couleurs différentes. C'est quand même abordable. Je sais que ceux-là, ils sortent souvent durant le temps des fêtes. Présentement, en fait, je sais qu'il y en a plusieurs chez Sephora. J'en ai commandé quelques-uns durant la vente VIB. Donc... il est encore temps, si vous les trouvez, je les recommande fortement, ils sont incroyables. Donc c'est tout les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle autre vidéo vous aimeriez voir en français, parce que je vais essayer d'en faire une fois de temps en temps. Présentement, ma vie est un petit peu de tous les bords, donc je vais essayer d'en faire une fois de temps en temps. Laissez-moi savoir si vous aimez que je fasse une vidéo comme ça que j'ai faite en anglais et en français, un tag, comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi. Je peux juste répéter les mêmes réponses, mais il faut juste que je trouve la version française. Mais oui, laissez-moi savoir ce que vous aimeriez voir. N'oubliez pas de donner... de donner un pouce, un petit pouce, donnez-moi un petit coup de pouce, abonnez-vous pour pas manquer plusieurs autres vidéos qui s'en viennent, et je vous reviens dans une autre vidéo bientôt. Bye!